C'est l'histoire de Sacha et Dany qui partagent un appartement à Paris. Et de leurs voisins Nico et Sam qui vient d'Amérique. Sam aime Annie, Sacha aime Toby et Nico aime les filles, les motos et les pizzas. Voilà, tu es prêt? Ne bouge pas! Extra, ça commence! Voilà. Parfait. Et maintenant, le salon. Ici, là, juste là. Ça y est. Yeah, baby. Et maintenant, à boire. Du coca. Des chips. Et pour terminer, rapido pizza. Bon, ben plus que 2 heures à attendre. Nico! Qu'est-ce que ta télé fait dans ma salle de bain? Oh, salut, Sacha. Mais comme ça, je ne vais rien rater. Rater quoi? Ben, tu sais, si j'avais envie de... Mais pendant le match... Oh, le match! C'est très important. C'est la Coupe du Monde. Oh, la Coupe du Monde! J'en ai marre de la Coupe du Monde! C'est la Coupe du Monde ci, la Coupe du Monde ça, c'est... Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est la demi-finale, France... Contre... USA! Hey Sam, super le déguisement, mais pas la bonne équipe! Hey, j'ai même mis mon slip porte-bonheur pour la Coupe du Monde! Oh! Ton slip porte-bonheur pour la Coupe du Monde? Oui, je ne change pas de slip tant que la Coupe du Monde n'est pas finie! Mais ça fait 3 semaines que ça dure! Ouais! Hey Sam, j'ai tout préparé. Les chips, le coca... La télé dans la salle de bain. Ok, quelle heure ça commence? À midi. Ouh, alors, on s'assoit! Bonjour tout le monde! Louis et moi sommes prêts pour le match. Hey. Tu es mignon comme ça. Ah ah, un ruban français. Et le drapeau américain. Oh, honey, très sweet. À part que la France va gagner à coup sûr... Je ne pense pas, Nico. On a battu la Jamaïque 4-2. Ah oui? Mais nous avons battu les Luxembourg 5-0. Nos buteurs sont les meilleurs du monde. Mais votre défense est nulle. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et l'équipe américaine est meilleure partout. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, si, c'est vrai, si, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Serrez-vous la main. Toby vient cet après-midi. Lui, au moins, c'est un homme. Ah ouais? Mais il aime aussi le foot. C'est un supporter de l'équipe anglaise. On va les battre en finale! Allô, oui? Oui, je vous le passe. Nico, c'est ton agent. Super! Allô, Didier? Ça va? Bien.
Une audition, moi? Pourquoi? Les flammes de Paris? Le feuilleton? Yeeha! Quand? Aujourd'hui? À midi? Où? À Orléans? Mais c'est à 100 kilomètres! Non, bien sûr que je suis content! Ok, merci! Salut! Mais une audition pour les flammes de Paris! Mais c'est génial! Ouais! Tu dois être content! Oui, je suis très, très, très content! Très content! Oui, je vois ça! Mais pourquoi aujourd'hui? Cet après-midi! À Orléans! Et le foot alors? Seulement un match de foot? Sacha! Il y a des gens qui croient que le foot c'est une question de vie ou de mort! Eh ben c'est bien plus que ça! Ne va pas à l'audition alors! Ne pas y aller, ne pas y aller! Mais je dois y aller! L'art dramatique est ma vie! Mais si tu veux, Nico, on pourra te l'enregistrer! Eh, et on ne te dira pas le score! Vraiment? Et vous ne me direz pas le score, promis? Promis! Promis. Oui, bon, d'accord, promis, oh. Bon. Eh bien, j'y vais! Et je vais jouer pour la France! La Coupe du Monde, si. La Coupe du Monde, ça. Oh. Aujourd'hui, c'est la France contre les USA. Oh. C'est d'un ennui. La bonne nouvelle est que j'ai une audition pour Les Flammes de Paris. Yeeha! La mauvaise nouvelle est que ça se passe à Orléans cet après-midi et que je ne verrai pas la demi-finale. Je suis très, très... très content. Quelle tragédie! Oh, mes cheveux sont affreux! Oh. Et Toby qui arrive ce soir! C'est la catastrophe! J'ai dit, c'est la cata! Cata quoi? La coiffure de Sacha. Oh. Il faut que je fasse quelque chose. Ah, Chantal va m'aider. Oui, allô Chantal? C'est Sacha. J'ai besoin d'un rendez-vous urgent. Quelle coupe? Une coupe qui ferait plaisir à un Anglais qui est fou de foot? Tu peux? Oh, oh, génial! Oh, d'accord, 5 heures. Ok, ciao! Oh. Sauvé! Oh. Et nous voilà à la demi-finale contre deux géants du football. France-USA, qui est sur le point de commencer. Les deux équipes sont de force égale, en top forme. Mais les Français sont dangereux. Vont-ils marquer? Oh, oh, non! Et maintenant, les Américains. Aïe, 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 ils passent la défense. Et voilà! Oh non, pauvre équipe française. Allez, les Français, il faut y aller, hein. Il faut se reprendre. Attention, il n'y a aucune hésitation. Chez lui, extraordinaire, bravo les Français. Et oui, oui, c'est dedans, c'est dedans. C'est dedans! Les Français, les dieux du foot. Remarque, Sam, l'Amérique s'est bien battue contre la France. Oui, mais ça n'a pas suffi, hein? Hey, on ne doit pas montrer que nous sommes contentes. Nous avons promis à Nico de ne rien lui dire. Ayons l'air normal. Oui, et toi, Sam, ne montre pas que tu es triste.
fais un sourire, Annie, chouchou. Comme ça, oui. Oui, bon, eh ben, ça ira, hein. Salut. Oh, salut, Nico. Salut, Nico. C'était un bon match? Oh, tu sais, comme ça. Ouais, ouais. Où est la vidéo? C'est Sam qui l'a. Ah. Et où est Sam? Dans ton appartement. Bon, ben... J'y vais. Ok. Ok. Okay. Mm-hmm. Bon, ben... Salut. Salut. Ciao. 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 Salut Sam. Oh, hi Nico. Tu es là. Comment ça s'est passé? Quoi? Ton audition. Ah ça, oh, assez bien je crois. Hey, super. Est-ce que c'est le match? Yep. Quoi? Vous avez gagné, c'est ça? Gagné quoi? Au foot? Les USA ont battu la France, hein? C'est ça? Nico, j'ai promis. Mais je devine! T'es trop content! Non, non, pas du tout. Oh, je le savais! Oh, je le savais! Pauvre France! Mon pays! Nico. Regarde la match sur la vidéo, hein. Mais je ne vais pas le supporter! Comment est-ce que tu as pu, Sam? Comment est-ce que l'Amérique a pu battre la France? Nico, regarde la vidéo. J'ai besoin de toi. Apprends-moi l'anglais. Quoi? Juste quelques petites phrases pour le beau Toby. Ah. Par exemple? Tu es très beau. Ok. You are very handsome. You are very handsome. Good. You are so strong. Fort. Mm. You are so strong. Ah, good, great. Now, your eyes are amazing. Les yeux? Yeah. Your eyes are amazing. Yeah, that's great. Excellent. Now, all together, répète tout ça. Sam, you are very handsome. You are so strong. Your eyes are amazing. Wow, that is beautiful, Sasha. Oh. Bon, eh bien, avec ma nouvelle coiffure et mon anglais, Toby ne va pas me résister. Hey. Salut Annie, je file chez la coiffeuse pour une nouvelle moi. J'adore le foot. Oh, surtout.
joueurs français. Ils sont beaux. Mais j'étais désolée pour Sam quand la France a gagné contre les USA. Enfin, un tout petit peu désolée. Ce n'est vraiment pas le jour de Sacha aujourd'hui. Oh, mes cheveux sont affreux. Oh. Elle se fait du souci parce que Toby arrive ce soir. Mais je ne comprends pas. Oh, je crois qu'elle aime encore Sam. Your eyes are amazing. Wow, that is beautiful, Sacha. Oh. Les deux équipes sont de force égale, en top forme. Les Français sont dangereux. Annie. Annie. Oui, Sam. Ça va? Oui. Quelque chose t'embête? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Annie, viens t'asseoir ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Well, if you don't tell me, then I won't know. Tu le sais, Sam, tu le sais. On est en finale. Oh. J'ai raté quelque chose. Tu as un sac sur la tête. Allez, retire-le. Patouche. C'est ta coiffure. Oh, ça ne peut pas être la cata. Oh, que si. Allez. Tu me promets de ne pas rire. Oui, promis. Allez, garçon. Promis. D'accord. Voilà. Alors, ben, c'est... joli. Oh, vous riez. Oh, c'est un désastre. C'est une calamité. C'est Toby qui va arriver d'une minute à l'autre. Oh. C'est lui. Qu'il me voit comme ça. Allô? Toby? Entre. Je vais chercher Sacha. Hey, psst, Sacha! Toby est là. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas. Sacha, fais-moi confiance. Il va adorer ta coiffure. Oh, Toby. Sacha. J'adore ta coiffure. J'adore ta coiffure. Oh.
So, England versus France in the World Cup, eh? Poor old France. Au contraire, cher ami English. Prepare to die. Nico, demande à Sam de me passer les chips. Sam, Annie demande si tu peux lui passer les chips. Nico, demande à Annie pourquoi elle ne me parle plus depuis 2 jours. Annie, Sam demande pourquoi tu ne lui parles plus depuis 2 jours. Dis-lui. Elle te dit... Ça va bientôt commencer. Ça va. Et nous voici à un moment historique, France-Angleterre en finale de la Coupe du Monde. Allez-y les Français, hein. Oh la France, le ballon, vont-ils marquer? Allez-y, oui. Oh, c'est au tour de l'Angleterre. Beckham fait une passe à Scholl et... Oh, c'est un but! 1-0 pour l'Angleterre. Allez les Français, on y va maintenant, on y va, hein. Regardez la tête de l'équipe française. On y va les Français. Oh. Pas un bon match. Mais la France a le ballon, on se dirige vers les buts, on y va. Et c'est le but! Annie, je voudrais te demander quelque chose. Quoi, Sam? Tu as déjà pensé à te marier? Mais me marier avec qui? Avec quelqu'un comme moi. Toby, mon pote, l'Angleterre s'est bien défendue. Oh, pauvre Toby. Ow. Écoute, j'ai appris un peu d'anglais, ça va te faire sourire. You are very handsome. You are so strong. And your eyes are amazing. Sam me l'a appris. Maintenant, je comprends tout. Elle comprend quoi? J'ai entendu Sacha te dire ça. Yeah, parce qu'elle le répétait. J'ai été bête. J'ai cru que toi et Sacha... Hey, non, Annie. Il n'y a qu'une personne pour moi. Alors, Annie, qu'est-ce que tu dis? Dis quoi? Marry me. Oui, Sam. Je dis oui! La semaine prochaine, dans Extra. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Sam et Annie font des projets de mariage. Une surprise attend Nico. Et devine qui vient d'Amérique. Ne rate pas le prochain épisode d'Extra.